origines de ce projet, je voulais raconter l'histoire d'un homme, Maxime Ferrier, qui est mon grand-père, qui est acrobate, qui est un personnage flamboyant, romanesque, qui en plus a vécu à Madagascar et dans l'océan Indien, qui est un lieu exceptionnel, époustouflant. Donc voilà, il y avait un lieu incroyable, il y avait un personnage de roman, vraiment. Et puis, il y avait aussi l'histoire de France, l'histoire de Madagascar. Ça se passe de 1905 à 1972, donc on couvre tout le XXe siècle. Et il y a le cœur de l'intrigue, c'est le projet Madagascar pendant la Deuxième Guerre mondiale, le projet d'expulser les Juifs d'Europe à Madagascar. Donc voilà, il y avait cette rencontre entre un personnage, un lieu, une histoire intime, privée, familiale, et ce qu'on appelle la grande histoire, l'histoire de France et même l'histoire d'Europe. Il y a quelques historiens qui ont travaillé sur cette période et sur ce projet, mais c'est vrai que c'est un projet qui est, je ne dirais pas occulté, mais en tout cas ignoré ou méconnu. Et donc j'ai consulté des historiens. J'ai notamment consulté Eric Jennings, qui a beaucoup écrit sur la résistance aux Antilles et aussi en Outre-mer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis j'avais donc d'autres sources, j'avais des articles de journaux, j'avais des témoignages oraux. Tout cela prend ancrage aussi dans un milieu très particulier, au début en tout cas, qui est celui du cirque. Alors, le milieu du cirque, parce que mon grand-père, Maxime Ferrier, était acrobate, et le milieu du cirque m'a toujours paru une clé pour lire le monde qui nous entoure. On est en pleine rentrée littéraire, donc on peut lire par exemple la rentrée littéraire comme un gigantesque cirque. On peut lire un tournage vidéo comme un beau morceau de cirque aussi, avec ses côtés burlesques, ses côtés plus tragiques quelquefois. Donc voilà, il y avait cet univers du cirque qui me fascine. Une tragédie parce qu'évidemment, c'est l'histoire avec sa grande hache, comme disait Pérec, c'est-à-dire qu'on est dans une période de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de l'océan Indien, de l'histoire de France qui est particulièrement lourde, avec des massacres, avec de la mort qui rôde un peu partout, et en même temps, avec des histoires d'exil et de migration. On voit encore aujourd'hui à quel point les histoires de migrants peuvent être douloureuses. Mais justement, je ne voulais pas mettre ça sous un jour misérabiliste. Il me semble que, par exemple, les histoires de migrants, les histoires d'exil, même si elles portent de la souffrance, elles sont aussi porteuses de vie, de fantastiques projets de vie. Ce sont des trajectoires qui, souvent, sont tout à fait étonnantes, incroyables. Donc je ne voulais pas présenter ça sous un jour trop noir, parce que même dans les périodes les plus sombres, il y a toujours ces acrobates, ces gens qui rebondissent au cirque, sur la piste, comme dans la vie. J'ai pensé à plusieurs réponses, donc. La première réponse, c'est Voltaire. Parce que Voltaire, 23 000 lettres, je crois, qui ont été comptabilisées, il y en a qui ne sont pas connues, évidemment. 13 tomes en Pléiade. Et puis le style voltairien, incisif, rapide, vif, léger. Donc ça aurait été à la fois une leçon de style de correspondre chaque jour avec cet homme. Et en plus, bon, vous connaissez Voltaire, évidemment, du point de vue des sciences, de la technologie, de la philosophie, de l'histoire des idées, du théâtre. J'aurais appris énormément de choses. Maintenant, correspondre avec Voltaire, c'est bien, mais j'aurais été un petit chapitre, même pas un interligne quelque part dans son œuvre, dans ses œuvres complètes. Donc j'ai pensé à un autre auteur. J'ai pensé à un poète japonais, un écrivain japonais qui s'appelle Masaoka Shiki, du début du XXe siècle, qui tenait un journal des nuages. Et je trouve ça extraordinaire, chaque jour, de tenir un journal des nuages. Donc j'aurais aimé, avec Masaoka Shiki, malheureusement il n'est pas traduit encore en français, mais je crois que ça va venir, j'aurais aimé avec lui échanger des lettres sur le temps qu'il fait chaque jour. Ça m'aurait plu, en plus on l'aurait fait en japonais, ça m'aurait aidé à améliorer mon japonais écrit. Et puis, troisième et dernière réponse, j'ai vu tout à l'heure passer un chat, magnifique. J'aimerais bien finalement, encore plus qu'avec Masaoka Shiki et Voltaire, j'aimerais bien entamer une correspondance longue, assidue et très sérieuse avec Monsieur le Chat.